Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur Stronghold Definitive Edition pour la cinquième mission de la campagne Flamme du Foyer, une campagne économique du jeu. Donc on va faire la mission 5, le village des marais. La sécheresse céda la place à la tempête. La zone marécageuse au pied du plateau semblait abriter plus que de l'eau. Les marais étaient en effet infestés de déserteurs ennemis. Terrifiés, les habitants se tournèrent naturellement vers le capitaine. Avant d'aller plus loin, il faut éliminer les bandes ennemies qui rôdent de l'autre côté de la rivière. Pour ce faire, nous devons reconstruire ce petit village des marais et créer une force à la hauteur de la situation. Vous disposez d'une bonne réserve de nourriture. Ne vous privez pas du bonus moral qu'il représente pour la population. N'hésitez pas à déplacer vos bûcherons si de meilleures options se présentent à vous. Le marché est ici votre ami. Appliquez des taxes quand c'est possible, mais préparez-vous aussi à soudoyer les paysans en cas de difficulté. N'attaquez qu'en force, vous subirez plus de pertes avec des troupes réduites. Placez votre grenier. Alors déjà, mon but là, ça va être de mettre le grenier. Je pense là. Comme ça, là, j'ai tout de suite fait mon test. Ah, oh, putain. Il manque pas grand-chose, vraiment. Vous ne pouvez pas installer cela ici, monseigneur. Le dépôt d'armes est plein, monseigneur. Ah, je me suis raté. Je vais redémarrer. Alors, le grenier. Moi, je peux le mettre là. Voilà, on a une petite ferme ici. Ça va être utile pour plus tard, vous comprendrez. Alors, je vais mettre un bûcheron. Deux bûcherons. Un troisième là. Lui sera trop loin. Qu'est-ce que je peux faire de 4, 5, 6. Je vais déjà en mettre 3 comme ça. Je vais mettre tout de suite une maison. Vous ne pouvez pas installer cela ici, monseigneur. Derrière le marché, je vais le mettre là-haut. Parfait. On va agrandir tout de suite la réserve. Je vais préparer ceci. Pas d'argent dans les caisses du trésor, sire. Les réserves de notre voilà, très bien. Sire. Et je vais commencer à préparer le bré. Ça va être très important pour notre économie. Voilà. Nos réserves de nourriture sont en baisse, sire. Alors, est-ce que je regarde juste pour le futur? Pas assez d'or, monseigneur. Ouais, je pourrais mettre peut-être un atelier, voire deux, pour là, et je mettrai l'armurerie là. Bon, il commence à prendre cher, c'est bien. Donc, sachant qu'il faudra éliminer toutes ces troupes, hein, et la seule troupe qu'on va avoir, ce sont les massiers. Nos réserves d'or augmentent progressivement, sire. Donc là, on va récupérer un peu de bois par-ci, par-là, c'est bien. Eux, ils vont travailler les lanciers. Oui, oui, je sais. On va tout de suite lancer la production de bras à la vitesse de leur fer. Et de deux. Et je pense qu'on va avoir des pestes. Alors, ce que je vais faire... Je vais mettre l'apothicaire là. Comme ça on est sûr. L'apocalypse est à nos ports. Voilà, les lanciers ils se font tabasser, c'est bien. Ça les occupera. Là on va générer un peu plus d'argent. La peste a envahi notre château, monseigneur. On va perdre du bois, attention.
Super, on a eu chaud aux fesses. Et là, je commence à préparer un troisième puits de un gisement de Brella. Ça m'en fera trois ici. Bon, ils se font tous travailler, c'est bien. Comme ça, les bûcherons hyper sévères. Maintenant, on a commencé à avoir pas mal d'or. Je vais commencer à préparer le moulin tout de suite. Direct. Et si je peux, à un moment, je ferai une deuxième ferme. Donc là, l'économie, elle tourne bien pour l'instant. On n'a pas encore mis en route, bien sûr, les boulangeries. Donc là, je vais essayer d'en faire deux. Ouais, ils sont pas mal amochés, là. Ça fait plaisir. Et là, je laisserai... Voilà, je vais s'y attendre. Et je vais rajouter une autre masure ici. La tool break va nous être très utile, un congénère. La peste a envahi notre château, monseigneur. Voilà, on va baisser un petit peu pour limiter la perte. Et après, il faudra que je parte un moment sur une deuxième ferme de blé où il y a de la place. Oui, je sais, mon ami. En vrai, je pourrais avoir une deuxième ferme là, je vais le faire tout de suite. Comme ça, là, on aura de la place. Nos réserves d'or augmentent progressivement. Je peux pas acheter de bouffe, je suppose. Les gens quittent le château. Le grenier. Nos réserves d'or augmentent progressivement. On va vite remettre de la nourriture. Nos réserves de nourriture sont en baisse, sire. Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cet édifice. Les gens viennent au château. Les réserves du grenier. Oui, je sais. Plus bas, sire. T'en fais pas, on est en train d'actifier le tir là. Nous n'avons presque plus de nourriture, sire. Le grenier est vide, sire. Nos réserves d'or est plein, monseigneur. Progressivement, nos réserves de nourriture sont en baisse. Nous perdons un peu d'argent, monseigneur. Les réserves du grenier sont au plus bas, sire. Voilà, ça commence à être pas mal. Par contre, là, ce que j'ai essayé de faire tout de suite la taverne. Déjà, assez de bois. Ou alors, je lance tout de suite la production, l'armurerie. Elle est où? J'ai lancé mon armurerie tout de suite. On va peut-être perdre, mais tant pis. On va perdre des trucs, mais c'est pas grave. La caserne, je vais la mettre en route dès que j'ai la... Le nouveau chargement de bois qui arrive. Les lanciers sont bien amochés là, ça c'est une bonne nouvelle. Un fléau est en train de dévaster nos récoltes de blé, sire. La caserne, on la prépare tout de suite. Je rajoute tout de suite. Les réserves du grenier sont... Parfait, on a 6 boulangeries qui tournent. Je vais tout de suite préparer, dès que je peux, une ferme à houblon. Par contre, là, il va nous falloir commencer à préparer des masses. Oui, patron. Voilà. Et merde, on n'a pas encore acheté de fer, c'est vrai.
Non, merde. La peste a envahi notre château, monseigneur. Il y a du fer qui commence à se préparer, c'est bien. Nous perdons un peu d'argent, monseigneur. Hop, on va rajouter ça. Bon, on a déjà les armures qui sont en route. Augmente progressivement, sire. Oh, merci, monseigneur. Les réserves de notre vache sont terrassées par. On va remonter tranquillement. Pas d'argent dans les caisses du trésor, sire. Les gens viennent. Oui, patron. Okay. Oui, patron. Il faut que je prépare dès que je peux une deuxième. J'ai pas assez de bré. On va continuer de le spammer. Nous perdons un peu d'argent, monseigneur. Quoi ? Une fois que je commence à avoir une trentaine de massiers, ça. Ah, je sais pas ce qu'ils foutent là, eux, mais ils s'en sont. Mais soit, ça fera deux albardis de moins. Nos vaches sont terrassées. Voilà, parfait. Bon, il y a deux albardiers de moins, je sais pas ce qu'ils ont voulu foutre ici. Oui, patron. Ah. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Bougez-vous, canaille. Ils viennent d'où, de ce groupe-là? Je suis étonné, là, j'avoue. Bon, je vais pas me plaindre, hein. C'est toujours des troupes en moins. Nos réserves d'or augmentent progressivement, sire. Bon, on va ouvrir un deux. Dès qu'on peut, on ouvre un deuxième truc. Les réserves du grenier sont hein plus bas, sire. Oui, patron. Ah, nécessaire, sire. Nos réserves de nourriture sont en baisse, sire. Il faut que je prépare de la bière à un moment. Donc là, il faut juste éliminer les troupes ennemies sur scénario. Les réserves du grenier sont au plus bas, sire. En vrai, est-ce que je préparerais pas une petite brasserie? Vas-y, hein. On va faire ça. Comme ça, on va pouvoir préparer le long terme avec la bière. Et là, je prépare tout de suite. Ma deuxième. On a besoin de plus d'or. Ma deuxième forge dès que je peux. Sont au plus bas, sire. Voilà, parfait. Oui, patron. Armes nécessaires. Ça nous en fait combien de massue? Nous 9. Sommes spécialistes de la massue. Bientôt 10. Nous perdons un peu d'argent. Le peuple vous adore, sire. Les réserves du grenier. Oui, je sais, je sais. Alors, on va se calmer. Alors. Une auberge ici, pourquoi pas aller. La peste a envahi notre château, monseigneur. Il me reste deux pégus. Les réserves du grenier. On va attendre que la peste passe. Oui, patron. Voilà. Et là derrière je rajoute tout de suite une autre masure. Je pense qu'il faut pas aller à plus de 40 ici hein, au niveau de la pop. Oui patron. Quoi vous avez besoin? Et là on peut aller commencer à liquider les trous, les lanciers. Oui patron. Nécessaire, sire. Armes nécessaires, sire. Bon, pour le moment, ça va. On tient comme il faut. Sont au plus bas, sire.
Vous avez besoin de muscles. On en fait 14 ici. Allez, allez. On va surveiller un petit peu. On y va. Ils sont faits. Ok, ce contingent là c'est réglé. Bougez-vous, canaille. Et après il y aura ces archers là. Je sais qu'ils ont un contingent de spadassins qui passe de temps en temps. Nos réserves de nourriture sont en baisse. Si je vais pouvoir délocaliser mon bois. Nos réserves d'or augmentent progressivement, sire. Comme ça là, je vais pouvoir mettre plus de bûcherons là. Les réserves du grenier sont au plus bas. Voilà. Ça nous libère un peu d'espace. Oui, patron. Quoi? Allez, allez! Les réserves du grenier sont au plus bas. Oui, patron. Alors attention. On y va! Nous n'avons pas. On va surveiller ces archers. Culture, sire. Oui, patron. Hein? Bougez-vous, canaille! Alors, on va attendre qu'ils se barrent, eux. Allez! Allez! Ils ont cuit! On y va! Bougez-vous, canaille! Écrasez-les, les gars! Bien joué, vous reculez. Vous connaissez le chemin pour y aller? On y va! Il y a du hellebardier qui se pointe. Nous sommes spécialistes de la massue! Oui, patron. Nécessaire, sire. Quoi, vous avez besoin? Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Voilà, hop. On les aura à l'usure. Bougez-vous, canaille. Vous avez besoin de muscles. Et dès qu'il y a un groupe d'archers qui revient, tu parles de lui. Quoi? Allez, allez. Nous n'avons presque plus de réserves d'or, sire. Augmente progressivement, le peuple vous adore, sire. Oui, patron. Oui, patron. Hein? On y va! Ils sont faits. Alors, on va attendre. Et là, il y a l'Albardi qui vont se pointer, logiquement. Allez! Allez! On va essayer de les titiller un peu. Venez, petit, petit. Bougez-vous, canaille! Allez! Ils ont cuit! Bien joué. Bougez-vous, canaille! Ça nous fait un contingent d'en moins encore. Oui, patron. Ah, nécessaire, sire. Nous n'avons presque. Nous sommes spécialistes! Il manque un contingent d'archers qui va se pointer. Allez, allez. Alors non, pas maintenant. Attendez. Vous avez besoin de perdre un, attention. On y va. Bougez-vous, canaille. Quoi? Oui, patron. Écrasez-les, les gars. Ok, allez, on recule. Allez. On y va. Bougez-vous, canaille. J'ai perdu un massier ou deux dans le tas, mais ça va, oui, on peut patron. Les refaire tout de suite. Et je vais ouvrir une troisième forge tout de suite. Et on va continuer de maxer le bray. Est-ce que j'aurais pas une boulangerie en plus? Ouais, on va faire ça, une boulangerie supplémentaire. Bon, c'est pas mal du tout. Il y a 5 spadassins qui se pointent, attention. Hein? Allez, allez! Oui, patron. Nous sommes spécialistes de la massue. Oui, en vrai, je pense que si on a une quarantaine ou quarantaine. Eh ben merci Délio, excuse-moi, j'avais vraiment le dos droit. J'espère que tu vas bien. Donc là on est en train d'essayer de terminer cette foutue campagne. Bon, il reste encore ça à éliminer, mais je pense que ça devrait être faisable. Je suis en train de regrouper le plus de massier possible pour être tranquille. Oui, patron. Donc là, il faut jouer sur l'espace hein, et tout ça. Oui, patron. Arme nécessaire, sire.
Ok. Oui, patron. Là, c'est pas mal. Vous avez besoin de muscles. 30 masses 6, ça oui, commence à être une force assez intéressante, là. Quoi ? Oui, patron. Alors, on va voir un petit peu ce qui nous attend. On y va ! Bougez-vous, canaille ! On va essayer d'aller choper leurs archers, là. Allez ! Allez ! Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive ! On y va ! Ils sont faits ! Bougez-vous, canaille ! Allez ! Ils ont tué les gars ! Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive ! Chargez ! Les chevaliers, vite ! Excellent. Excellent travail, on a liquidé les chevaliers. Il reste des lanciers, des archers et des spadassins. C'est plutôt prometteur, on va dire. Ah, on n'a plus personne. Je crois que je vais ouvrir une troisième. Comme ça, là, j'aurai les trois qui sont occupés à chaque fois. Oui, patron. Allez, 3 de plus. Le peuple vous tient en haute estime, sire. Hein ? Nous sommes spécialistes de la massue. Quoi vous avez besoin ? Oui, patron. En vrai, là, l'idée... Pour les spadassins, alors je vais enregistrer. Vous avez besoin de muscles. Quoi ? Bougez-vous, oui, canaille. Ça serait peut-être d'en attirer un. Allez, ah bah, je allez les attire tous. Hein, pas le plan. Mais si je peux en attirer juste un ou deux, canaille. Les isoler du contingent. Allez, allez, on y va ! Bougez-vous, canaille. Oui, patron. Nous sommes spécialistes. Quoi, vous avez besoin de la massue. Allez, allez. On y va ! Bougez-vous, canaille ! Allez ! Ok. Allez. Alors, 33. Vous avez besoin de muscles ! Quoi ? On y va ! Bougez-vous, oh, il y en a qu'un, là, vraiment. Bon, on va aller chercher. Allez. Hop, 4. Allez. On y va ! Bougez-vous, canaille ! Et après, il restera quoi ? Que des archers, bon bah parfait. Je vous suis. Chargez. Bien joué, allez, on les a eus. Allez. Maintenant on va déferler sur ce qui reste. Bougez-vous, par contre, sur beaucoup d'archers par là, attention. Les réserves du grenier. Ils sont faits. Ils ont tué les gars. Oui, patron. On liquide tous les archers possibles. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Oh, ils sont dans le bret, ça c'est bien. Ils vont pas pouvoir bouger. Et au poil. Nous sommes spécialistes de la massue. Vous avez besoin bien de joué. Muscles. Et logiquement, il reste que les lanciers à gérer. Allez, allez, on y va. Les réserves du grenier. Ils sont cuits. Nous avons survécu la réserve pleine, monseigneur. Nous sommes et ben voilà. Mission 5 réussie. Bon, on a perdu 28% de troupes, ça va. Les massifs ont fait le taf. En fait, faut les accumuler. Et s'ils peuvent taper en masse et isoler un ou deux adversaires, bah c'est fini. Quand on a isolé l'un des spadassins, on a vu que ça pouvait vite être fait. Voilà, j'espère que cette mission 5 vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.